Alors aujourd'hui on est sur la mielée de châtaignier. On va regarder la hausse, voir ce que ça dit. On voit que les cirons sont bien blanches. On va essayer de lever un cadre. On va essayer pour voir. Alors, on a encore un peu de couvain qui a été remplacé. Voilà, le couvain est en train d'être remplacé par du nectar. Et c'est en train d'être operculé. Je pense qu'il doit rester. On va regarder celui de rive. Donc celui de rivet aussi plein. Allez, on va mettre une autre seconde hausse. Alors, celle-là, c'est une hausse que j'ai mise mercredi dernier, sachant qu'on est lundi, donc ça fait 5 jours. On va regarder un petit peu ce qu'il en est rapidement. Voilà, hop, cadre plein de nectar, parfait. Alors on va regarder celui-là. Celui-là a l'air un peu moins rempli. Mais il est quand même un petit peu rempli. Bon, après ils sont pas très larges. Ils n'ont pas été tous étirés, mais il y a quand même pas mal de nectar. Ouais. Alors là, on peut voir qu'il y a du miel qui est beaucoup plus foncé et d'autres qui est beaucoup plus clair. Ça pisse pas quand même, donc c'est quand même assez sec. Alors peut-être qu'il y a du miel là, je sais pas. Ça, c'était un cadre à bâtir. Et voilà. Voilà, ça c'était un cadre ciré. Voilà, celle de dessous est pleine à ras. Bon, mais je vais pas en remettre une, hein, parce qu'il y reste encore de la place. Je laisse comme ça. Allez, encore une autre petite vérif. Alors celle-là, c'est de la buck, il est possible que je la triple. Normalement. Celle-là est blindée d'abeilles, blindée de miel aussi d'ailleurs. On peut voir que le haut des cadres blanchissent. Donc ça, en principe,
c'est le moment de dire il faut rajouter. J'ai vu qu'il y avait encore des châtaigniers en fleurs. Donc ça voudrait dire que il y a potentiellement encore de la mielée. Voilà. Et voilà, c'est plein tout ça. C'est plein mais c'est pas operculé. Allez, celle-là, je rajoute une once. Hop. J'irai la chercher tout à l'heure.